Les souterrains. Les souterrains, en langage militaire, on les appelle les sapes. On va vous montrer un souterrain. Les souterrains partent des tranchées et sont creusés sous le No Man's Land. Dans les souterrains, les soldats renforcent les parois avec des poteaux en bois pour que les souterrains ne s'écroulent pas. Les souterrains servaient à passer sous les tranchées ennemies. Quand les soldats arrivaient dessous les sapes ennemies, ils mettaient parfois des explosifs pour faire écrouler les sapes ennemies. Si les soldats se rencontraient en les creusant, ils entamaient un combat au corps à corps où les soldats allaient chercher leur chef qui décidait s'ils devaient creuser dessous les souterrains ennemis. Lors de la bataille de Verdun sur la butte de Vaucouleurs, les soldats français et allemands ont creusé jusqu'à 100 mètres de profondeur. Les sapes des soldats allemands mesuraient jusqu'à 17 km de longueur. Et les sapes des soldats français jusqu'à 5 km de longueur.